Ben, ce jour, on se retrouve donc pour un nouvel épisode de Final Fantasy Advance. Or, quand j'ai voulu tourner cet épisode, je me suis rendu compte que le dernier épisode, je n'avais pas fait de sauvegarde à la fin. J'avais quitté le jeu sans sauvegarder. Donc, avant de tourner cette vidéo, j'ai refait vite fait les trois quêtes que j'ai fait. Donc, deux trucs qui ont changé. Un, quand j'ai fini une quête, j'ai pas recruté le même type de personnage. Et deux, il y a un demi territoire qui s'était fait attaquer par là. Il s'est pas fait attaquer. Et un peu l'XP que certains personnages ont gagné. Mais sinon, rien n'a changé. J'ai fait jouer les mêmes personnages sur les mêmes maps. Il y a juste l'XP qui diffère et tout ça. Et peut-être un peu les lois de cette zone qui diffèrent. Nous nous retrouvons donc après avoir fait une scène quête où j'avais débloqué une chasse au trésor. Mais vu que je suis là, autant faire la quête là tout de suite. Bah ouais. Ah, en plus c'est de la capture du monstre. Un dragon de glace. Est-ce que j'ai un dragon de glace? Je ne sais plus. Ah, faut mes deux chasseurs. Ah ouais, mais t'as mes chasseurs qui est pas revenu. Et j'ai pas le droit à la technique appel. Ah mais je vais quand même l'utiliser. Ah, 12, je te prends. 12, je te prends. Bah en fait il reste fait up, donc obligé en fait. Ouais. Je vais annuler l'eau appel. L'âme de la créature qui est là, espérons que c'est une légende. Ou alors que Gaul l'a vraiment tué. Les morboles, le dragon de feu, le bombo, je suis sûr de l'avoir. Le bleu aussi, le dragon bleu, je suis sûr de l'avoir. Il n'y a que le gobelin que je suis pas sûr d'avoir. Ça fait quoi cloître des cassicités? Ouais. On va essayer de pas le tuer, hein. On va essayer. Ah bah c'est pas comme ça que je ne vais pas le tuer. Donc on va juste repasser. Attends, déjà il faut que j'annule une noix. On va essayer de le faire dormir, hein. Au moins ça, c'est réussi. Je sais que j'ai pas beaucoup de chance de le capturer, mais bon. Pouhouhou ! Du premier coup avec 12%. Ça, c'est fait. Ah, ça remonte le niveau de pas de bol, de fait que j'avais oublié de sauvegarder là, au dernier épisode. Ouais, ça remonte. Non, il y a besoin d'XP. Toi, avec tu as dit, tu seras utile contre l'autre dragon. Normalement, j'ai pas une technique aussi pour les... Si, normalement j'ai une technique puissante à donner à mes gars chasseurs, c'est de Winker. Ce qui fait double dégâts sur les monstres. T'inquiète pas, mon mage, on va vous soigner. Ouais.
cette petite là à leur apprendre. Oh, ouais, j'ai carrément zappé. Bah oui, il ferait largement plus de dégâts. Sur les monstres. Mais est-ce que je l'ai? Faudrait que j'aille vérifier ça. Bon, toi, j'ai qu'une envie, hein. Toi, c'est de te pousser au fond du ravin. Hein. Voilà, tueur d'hydre. Grand dégâts sur le dragon. C'est plus efficace qu'avec ma petite lame de merde. Tu vois, au lieu de faire 46 de dégâts, je fais 80. Au lieu de faire 43, je fais 86. Ouais, à peu près. Là, si Boulero joue rapidement, je peux vous montrer un truc que j'adore. Ouais, un simple soin suffit pour régénérer tout le monde. Comment vous montrer vraiment les dégâts dessus? Parce que là, le dragon, il peut pas bouger, donc... Est-ce que je peux faire quatrer? Yes. A pas fonctionné. On va essayer d'endormir les deux là. Hein. Enfin, j'ai pas beaucoup de chance, mais 12% de chance qu'ils se produisent du premier coup. Enfin, on va pas essayer de t'en être reliable. Hein. Si ça fonctionne, tant mieux. Enfin, je vais au moins t'endormir le mort. Moi, je veux que ça y a Boulero de jouer. Je veux que ça y a Blaireau de jouer, du moins. Faut que Blaireau joue. Ça va être trop marrant, les dégâts de chute. C'est dans la map plaque, j'adore faire les dégâts de chute. Tu vois, le dragon, là, il peut pas bouger. Il est obligé de rester là, donc j'arriverai à le pousser. Dans le vide. J'y arriverai. Il va prendre tellement cher. Oh, putain. Ah non, il va crever. Oh merde! Eh hey, merde, j'ai pas pu! Putain, t'es trop puissant, Boléro! Tu fais chier! Pourquoi je fais rien? Parce que j'ai une idée à la con. Je veux vous montrer des gros dégâts de chute. Et donc, j'ai une idée à la con. J'ai une idée à la con, je veux vous montrer des gros dégâts de chute. Pour vous montrer à quel point ça peut être cheaté quand tu gères bien le truc. Ah, je vais vous montrer. Je m'en fous de vous. Je veux que ça ait mon mage noir qui rejoue là. Ah, je prends des risques, je sais que je risque de me prendre un KO, mais je m'en fous. Magie blanche. Vie. Il aura 74 points de vie. Donc, je pourrais faire ce que je veux. Et je suis sûr qu'il crève. Sec-mètre. Oh, en plus, ça peut sec-mètre. Bon, pas grave, c'est un KO à la con, mais... Si j'ai survie, j'ai de la chance. Je me suis pris un KO à la con. Normalement, j'aurais pas dû me le prendre, mais je veux absolument vous montrer le truc. Oh, elle fait mal, et... Ouh. Voilà. Ça va aller, écoute, se prendre un KO. Pouah, il s'est pris 111 de dégâts de chute. Putain, 111 de dégâts de chute. Le mec, il s'est pris.
tombée de quelle hauteur? Les tombées de... On va dire que c'est des mètres. Les tombées de 9 mètres, 111 de dégâts. Oh, c'est vilain. C'est tellement vilain. Combien de points de vie? Attends, là, je peux faire un Mogrush. Il prendra pas cher niveau dégâts de chute, mais... Ah non, c'est l'attaque qui tout double. Oh, il est endormi, bah ça tombe bien. Beau combo. Lui, il peut s'auto-comboter. Il peut s'auto-faire un combo, quoi. Il endort le truc, puis après, il peut faire Mogrush en mode OP. Ouah, 111 pour 9 mètres de hauteur, quoi. Je considère qu'un petit espace, une différence de 1 heure, c'est égal à 1 mètre. Je me référencie comme ça niveau hauteur. Je peux pas faire Ruken pour régène, c'est dommage. Bon bah fusil hein. Ce KO valait largement le coup pour vous montrer à quel point les dégâts de chute peuvent être très méchants. Bah, attends, on va mettre mon blanc plutôt dans une position où il craint rien. Je vais être sûr de toucher donc. Ah, 80%. J'ai gagné 20% quand même en me décalant. C'est amplement suffisant pour t'achever. Oh, 75% mec. Ouh, elle le one shot. Ouh, le OS. Peut-être qu'un jour on écrira aussi notre histoire. Elle est en train de s'écrire, t'es dans un jeu vidéo, boulet. Bon, elle est pas censée le savoir, mais bon. Cette fois-ci, faut pas que j'oublie le truc. Ah, anti-loire en deux, je garde. Belnino! Il ne me reste plus que la quête de métal, donc on va aller voir mon item là-bas. Adamantite. Tiens, 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 clan. Objet, 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 objet. Objet reçu. A mon avis, je dois en avoir plein des adamantites. Ok, oui. Alors, pour ranger l'inventaire des objets obtenus. Jetez un item que vous avez en plein d'exemplaires. Bon, les adamantites, j'en ai plein. Et voilà ça. Comme ça, vous savez à peu près le nombre de matériaux que vous avez. Voilà. Petite astuce. Bon, faut que j'aille en ville. Voilà, t'as pris les deux magies. C'est ce que je voulais. Javette.
Ah. Où est Gecko? Navire étrange. Mafia. Là. Port diamant, Mr. Cadouin. Oula. Ouh. Attends, j'ai de la quête à faire là. Pourquoi je le passe dans ces jobs? Parce que je vais absolument avoir besoin d'un certain job qui va avoir besoin. Un arc avec une technique qui est j'ai besoin. Non, je l'ai pas. Non, il est pas à l'achat, donc faudrait que j'aille. Faut que je le trouve en combat, quoi. Bon, arrête de bugger la flèche. Ou pas? Fort diamant, ça c'est la ça c'est le truc quête scénario, ça c'est mission scénario, Chandaisen ennemi 3, je sais dire que c'est pour qui, Elvena. Attends, j'ai même pas regardé si elle pouvait le faire. Combat d'Aizen, Morningstar, Blossom Carabi. Mission cadran. Objet perdu. J'ai pas la branche club. Les garnements. Le fugitif. Palière noir, ça j'ai. Solo du jour. Inodore. Muscaverna gelé. Que je fasse des trucs en jour et que je fasse pas de combat. Cinq jours. Ah, boucler aux flammes. Je vais en avoir besoin du bouclier des flammes. Ah, là, je vais faire les quêtes de jour. L'artiste. Que de lapin. Je n'ai pas. L'immortel. Je n'ai pas. Ah putain! Blaireau, aide-nous à rattraper les monstres évadés! J'ai affiché une requête au bar! Voilà. C'est bien un certain nombre de monstres qu'il faut. Parce que là, j'ai capturé le gobelin en plus. Ouais, je savais bien que j'avais les deux là. Mais ils aient le mid, j'ai tout.
Brise mâchoire, j'ai. Alors, je sais pas du tout c'est quel map qui se trouve là. Fourmillion, j'ai les deux. Ramia, il faut le couleur. Hydre, il faut machin. Bongo glace. Iceland, il faut couleur. Donc, pour avoir la quête qui se déclenche, il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pour avoir la quête qui se déclenche, il faut capturer 12 monstres. En attendant, on va faire continuer à s'écouler le temps. Arcades. Cinderwinker, yes, je l'ai eu. C'est la technique là qu'il me fallait pour mes persos. Voilà. Qui fait double dégâts sur tous les monstres. Tu vas sûrement me faciliter la tâche. Là, je vais juste me balader jusqu'à ce que ma team revienne. Ça coûte 5 jours, ça te fera tes PC. Oui, pour lui, pour faire ses compétences, je l'ai fait que en mode quête à jour, comme ça, hop. Il évite de monter dans la classe qu'il lui faut pas, non gagner des stats qui lui seraient pas intéressantes. Si je fais monter de niveau alors qu'il est en mode mage, je vais pas aimer. Mode bestial. Madeline, la Maglaine. Casque diamant, cool. Elle n'a pas revenu de mission, c'est normal. Allez, tu retournes. Bah. C'est cool, mais... Ils sont où, mes mobs? Ah. Et dire. Ah, lui, tu es en guerre. J'ai pas le droit au sacré. Peut-être qu'il faut mieux les laisser. Capturer. Ça, je trouve, j'ai des mobs que je n'ai pas capturés encore dans l'eau. Le Lucas Monger, le Xylomide, Morbol Violet, j'ai. Ah, le Gobelin Rouge, je n'ai pas. J'approuve. Bon, j'ai pas le droit de me soigner normalement. On arrive au moment, capturons-les. Comme ça, j'ai mon gobelin rouge.
Elle est tellement mal avec sa chine plaza, elle. Pas le droit d'utiliser des techniques de soins sacrés, donc je peux me régénérer de toute autre manière, du moment que c'est pas du soin. Ouh, mon blanc qui esquive, oula, yahoufak, ah, il va à la fac celui-là. Arc. Désolé, j'ai pas envie de te voir jouer. Ah, tu vas vite mourir. C'est moi qui te le dis. J'espère que... Si, si, j'espère. J'espère le capturer du premier coup. J'ai réussi tout à l'heure avec 12% du premier coup. Pourquoi pas avec 10? Putain! Ah, je sais pas ce qui se passe, mais... Putain! Du premier coup, un 12 et un 10%. Oh mon dieu! C'est hippique. C'est tellement hippique. Putain. Ouf. Ah, j'ai rien à foutre. Tu peux rater un coup aussi facile que celui-là. J'ai rien à foutre. Tu t'es tellement... Je suis tellement bien réussi juste avant. Cette quête est... fut très rapide. Il y a deux monstres que je n'ai pas encore l'espèce. Je me demande c'est quoi. Il me manque un monstre, il faut les deux espèces. Ramien, il faut la bleue. C'est quel monstre qui manque en capture? Je suis sûr que je peux pas voir les fiches. Je peux pas voir les tortues. Je suis en train de chercher quel mob il me manque dans les tomberies. Je peux capturer des tomberies. Ouais, je crois que c'est les tombéries que je peux capturer. Je vois que ça, les tombéries. Quoique encore, c'est une espèce trop rare. Faudra que j'aille regarder ce qu'est le mob qui manque. Parce que là, je vois pas c'est quoi qui manque comme mob. Et il fait pas beaucoup de dégâts, c'est normal. Mais ça, c'est un détail. Qu'est-ce qui manque comme mob à capturer? Je vois pas là. Là, j'avoue que je me pose une colle là. Merde. Quel mob il manque? Je vois pas du tout quel mob il doit me manquer. Qui manque de flanc, il me manque un dragon, il me manque une ramia, une lamia, putain, mais même que je me gourre à dire le truc alors que j'ai engueulé le jeu la dernière fois pour cette erreur. Il me manque quel mob? Maintenant ils vont gentiment rentrer à la ménagerie. Il me manque quel mob? Thank you.
Putain, je sais pas ce qui me manque, ça m'énerve. Double main. Je pense pas après avoir pris GN avec lui. Non. Il faut deux techniques de fantasme. Deux techniques d'archer maintenant. Qui a mon merci de me l'en. Voilà. Je sais plus où il y a un truc qui s'est fait attaquer, c'est là-bas. Donc j'ai des missions où combat d'arène, plan. Distinction, mission de cadran, forcément. Cadran, c'est là-bas. Ah, c'est la mission là. Ouf. Lance. Rang 3, rang 6. J'ai pas le droit d'imiter. Encore la loi imiter est pas plus que chiante que ça. Mais la lance va me faire chier. T'as de la merde. Augusto. T'as de la merde. Asimov. T'as de la merde. Erma. T'as de la merde. Et Rosetta. T'as de la merde. Le fait de la lancer interdit me fait un peu chier. Elle est déjà niveau 14, elle. Ah bah on va prendre Eldena. Elle fera quasiment pas de dégâts, mais... C'est dans ce champ que sont battus les 13 héros d'Aizen. Faut que j'arrive la loi lance, sinon je suis dans la merde. Hey, là, le mec il a des lances. Si du gaga, quick. En tôle. Et j'ai pas envie. En plus c'est le premier à jouer. Bon, juste que je ne fasse pas les mêmes techniques. Donc j'attrais de faire très gaffe à ce que fait l'ordi et ce que moi je fais.
ou à mon avis après la mission là, je sauvegarderai. Le mec, je sauvegarderai. Hein. La petite magie noire qui fait du bien là où ça passe. Augusto. Ah. Ça, tu vois. Eh putain, elle a réussi. Bon, bah, faut que je le tape. Faut que je le tape. Parce que si lui, il se déchaîne sur mes personnages avec sa magie noire... je vais pas apprécier ce qui va m'arriver. Il a pas fait une simple attaque, donc je peux me le permettre. Ah, je suis obligé, hein. Il m'attaquait avec ses magies, moi j'étais... Wanga Cry. Ah putain, il me l'a tué. Oh le bâtard. Il serait pas mort si je m'étais pas auto-attaqué. Si j'avais su, je serais pas auto-attaqué et puis voilà, ça serait été réglé. Moi aussi j'ai des tic-tics de zone, connard. Est-ce que faire deux fois dessus sur 200 ça comptera comme un imité? Je pense pas, mais avec le jeu, il fait un peu ce qu'il veut avec les lois. S'il a envie de te faire chier avec les lois, il te fera chier avec les lois. Lui, ça sert à quoi de me repousser alors que t'as un mec qui gêne? Tu m'expliques ta logique? Bon, ça va, il fait pas très mal, hein. À peine du 29. Par contre, moi, je vais te faire mal, là. Je fais bien gaffe à ce que fait l'adversaire, parce que j'ai pas envie de me prendre un carton comme un con. Meurs, oh, stanker. Je vais tourner plein d'épisodes à la suite de FFTA, mais là, avec le montage que je dois faire, oh, j'en tourne en cours de la semaine, je pense. Parce que là, il me reste, pour les vidéos de la semaine, il me reste encore le montage de Zelda à faire et le montage de l'épisode que je suis en train de tourner. Le reste est déjà monté, les deux autres épisodes. Je peux faire une simple attaque et me rater. Shalom. T'as vraiment une dent contre mon humou, toi. Peut-être Vanga Groy, c'est puissant en fait. Je vais peut-être la prendre à mon à mon Vanga. Je savais pas que c'était aussi bien avant la technique là. Je vais lui apprendre. Est-ce que j'ai de l'arme pour ça au moins?
13 de dégâts. Mais c'est suffisant. Pour qu'il gagne de l'XP. Ah, j'aurais aimé vivre à l'époque des 13-0 Daisen. Daisen. Ouais, hein, je crois que Bleach est passé par le côté là, c'est pour ça que je dis Aizen. Carson. Donc, sur ce, mes petits pestes mojo, je vous remercie de m'avoir regardé. Et sur ce, je vous laisse. Salut, salut.